Salut à tous, les gameuses ont l'honneur de vous inviter à la soirée Geeksoin Special Touch. Donc nous allons avoir le plaisir de vous montrer toutes les nouveautés de cette année et puis des petites curiosités comme un jeu de cartes ou tout le reste. C'est parti, venez avec nous. Salut Babozor. Salut. Alors, tu nous présentes ici à la Geeksoin, Ch'temel 42. Ch'temel. Est-ce que tu veux que je t'explique ce que c'est, Ch'temel? Vas-y, explique-le, surtout pour nos auditeurs. Eh ben, cher auditeur, Ch'temel, c'est le premier jeu de plateau certifié HTML5. En fait, c'est un jeu de cartes qui est relativement simple, qui vous permet de jouer de 2 à 5 joueurs et de créer la plus belle page web. De façon presque collaborative, mais tu as joué, donc tu l'as vu. Oui. Et donc on peut poser des balises et ensuite essayer de mettre des bâtons dans les roues des autres navigateurs parce qu'ils sont vilains. Leur piquer des cartes, etc., etc. Ils ont des failles. Exactement. Et en gros, le principe du jeu, il est double. Le premier, c'est de... Moi, je suis développeur depuis 15 ans, développeur web. Et il n'y a pas de jeu de société pour les développeurs web. Donc je me suis dit, pourquoi pas en créer un. Et le deuxième intérêt, c'est que tu peux jouer au jeu si tu suis les règles du jeu, en fait, sans le savoir, tu suis les règles et les recommandations de la W3C. Ou même sans le savoir, tu deviens un développeur web. Donc en gros, c'est bien pour les noobs et pour les pros. Et pour les spécialistes. Et c'est un jeu qui est marrant, enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Ben moi, ce que j'en ai pensé, c'est que je le recommande à tout le monde, pour les webmasters ou non. Puisque c'est assez intéressant et ce qui est bien, c'est de savoir quelle est la faiblesse de chaque explorer. Voilà. Ben, merci beaucoup en tout cas pour ce jeu. Ben, de rien. Donc salut Adrien, présentons en quelques mots. Et bien donc je m'appelle Adrien Carlier, je suis game et level designer chez WeWantToKnow. Donc tu vas nous présenter une petite application, donc comme nous on est les gameuses, on est intéressé par tout ce qui est jeux vidéo, et là une petite application qui est assez intéressante, donc je vais te laisser la présenter. Ah oui, donc c'est Dragon Box. Donc c'est un jeu qui a été développé donc par WeWantToKnow, qui est en fait un puzzle game, où on va jouer avec des petites cartes, où en fait le but, alors je vais montrer ça, c'est que j'ai deux côtés, j'ai des cartes, et cette caisse qui est ici, elle doit être toute seule de son côté. Donc pour ça, je dois retirer toutes les cartes qui la gênent. Donc là, au début, très simple, je dois les retirer en cliquant dessus, les tourbillons. J'ai appris que en cliquant dessus, la caisse est toute seule, t'as gagné, t'es super fort, c'est magnifique. Et petit à petit, je vais continuer à, comme dans tout jeu vidéo complètement normal, je vais apprendre des règles un peu plus compliquées. Par exemple, une carte sur une anti-carte, ça crée un tourbillon, je le supprime, c'est magnifique, j'ai isolé la boîte, j'ai gagné. Maintenant, je vais chanter quelques règles, voilà, il y a quelques règles que je vais chanter, et je vais, dans une quinzaine de niveaux à peu près après, ces petites cartes avec ces petits monstres, et ben, j'en ai une qui est un petit peu particulière, c'est un C, c'est-à-dire que c'est plus un monstre, c'est une lettre. C'est que là, on va avoir une réaction qui est assez rigolote, qui est différente entre les enfants et les parents. C'est que les parents disent « Mais c'est bizarre là, c'est un C », ils commencent à se poser des questions. Et les enfants ne se posent absolument aucune question. D'ailleurs, qu'ils vont continuer à jouer. Avec le même principe. Les mêmes principes. Voilà. Et donc, j'isole la boîte. La boîte est isolée. Super de la gagner. Et là où il y a vraiment une ségrégation qui se fait entre les parents et les enfants, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que, voilà, c'est que cette boîte n'existe plus. Et là, les parents font, mais
elle est où la boîte? On m'a dit 10 où est la boîte, mais elle est pas là. Et là ils font, mais non, regarde, papa, maman, c'est facile. En fait, de toute façon, tu peux faire que ça. Donc faut pas être bête, tu comprends que cette boîte, en fait, maintenant, c'est un X. Et en fait, pourquoi la boîte est un X et pourquoi voilà, les cartes, ça deviennent des chiffres, des A, des C. C'est-à-dire que je vais aller à un peu plus d'une heure de jeu après. C'est-à-dire que un jeu qui est destiné aux enfants, on a des enfants de 6 qui commencent déjà dès 6 ans qui arrivent à finir le jeu, où en fait on aura ce genre de puzzle, où en fait ce sont une équation du type de collège. Ok, très bien. Et c'est exactement le même principe, les mêmes contrôles. La seule différence, c'est que j'ai plus de monstres, j'ai plus de boîtes, j'ai des lettres et des chiffres. Voilà. Je peux faire exactement la même chose qu'avec les monstres. Donc voilà, ce qui est important de noter en fait dans l'application, c'est qu'en gros on arrive à faire des équations qu'au début on n'aurait jamais pensé pouvoir faire. C'est ça. Et l'intérêt, c'est que ça passe du jeu au serious game. C'est exactement donc, voilà. Ça. Donc voilà l'intérêt du jeu, et je le trouve vraiment très intéressant. Donc on espère que ça en intéressera d'autres aussi. On espère. Donc Dragon Box par Dragon Maintenant. Box, voilà, testé. Testé sur tous les supports, Windows 8, PC, Mac, iOS, Android, voilà, partout. Disponible de partout. Voilà, on compte sur vous.